Salut à tous et à toutes les amis, c'est Twins Food. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui les amis. Et cette fois-ci, on va se faire une nouveauté de chez Domino's Pizza. Donc les amis, Domino's Pizza, ils ont sorti une toute nouvelle pizza si je peux dire. Enfin c'est pas vraiment une pizza, c'est une Kai's Pizza, voilà. Donc on a déjà fait une vidéo sur notre chaîne et ils ont sorti une toute nouvelle recette, à savoir la Calzone Burger. La Calzone Burger les amis. Donc les amis, ça se présente comme ça, dans une belle boîte de Calzone quoi, on connaît. Superbe. Et donc on va découvrir ça sans plus attendre les amis. Oh, ça a l'air pas mal hein. Oh, ça a l'air excellent. Ça a l'air pas mauvais les amis. Donc dans la boîte, ça se présente comme ça. Regardez-moi ça les amis, une Calzone Burger. Donc c'est un genre de gros sandwich avec une grande dose de fromage sur le dessus. Il est bien lourd, il est bien gros, il est bien épais. Bon. Et ça a l'air excellent et c'est bien chaud. On dirait qu'il y a de la mozzarella, du cheddar. Ça a vraiment l'air pas mauvais. Si je me rappelle bien, dans les Calzone, il n'y a pas à l'intérieur hein. C'est juste au dessus. Ah ouais, c'est comme les fougas je crois hein. Je crois qu'à l'intérieur il n'y a rien. Pour moi il y a quelque chose à l'intérieur hein. Je crois qu'en photo j'avais vu quelque chose à l'intérieur. Et en plus ça me paraît d'être vraiment lourd pour qu'il n'y ait rien à l'intérieur. La surprise du chef alors hein. Qu'est-ce que t'en penses, on attaque ça l'ami ou quoi? On va attaquer ça. Bon les amis, allez, c'est parti. Santé. Santé. Allez, c'est parti. Trop bon. Ah ouais. Il y a quelque chose à l'intérieur. Ah ouais. Il y a des morceaux de bœuf burger. Ouais, surprise vraiment. Donc les amis, à l'intérieur, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des morceaux de bœuf. Il y a du gruyère, j'ai l'impression. Ouais, et de la sauce burger aussi en masse. Et pour l'instant, pour micro, franchement, c'est excellent. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah ouais. Ah la pâte, elle est trop bonne. La pâte, les amis, elle est incroyable. Ah, c'est vraiment bon. Attends, je vais taper le fromage, moi. Le fromage au-dessus fusionné avec le bœuf à l'intérieur, la pâte et la sauce burger. Et la sauce burger, c'est la même qu'au magasin en fait, elle est excellente. Ah ouais. Le fromage, on le sent très bien, il y en a beaucoup sur le dessus. Hein. Et en plus, à l'intérieur, il y a du gruyère fondu. C'est excellent. La pâte, on dirait de la pâte pan de pizza. Là, on dirait que le fromage, il est déjà ancré dedans en fait. Ah ouais, le fromage fondu. Elle est moelleuse, mais incroyable. Elle est incroyable, franchement. Je crois que c'est la meilleure pizza que j'ai jamais mangée de Domino's, même de toute pizza, je crois. Enfin, c'est pas une pizza, c'est une calzone, mais. Une calzone, ouais. C'est vrai, ça a l'air d'être le meilleur truc pour l'instant de Domino's. Est-ce qu'on compte ça comme une pizza? Les amis, vous pensez que c'est une pizza pour vous ou pas? T'as une calzone, ouais. C'est excellent. Ah, c'est vraiment trop bon. Ouais, cette dose de fromage avec le fromage du dessus, le gruyère à l'intérieur, c'est incroyable. Avec la sauce burger, franchement, succulent. Et franchement, en plus, à l'intérieur, les amis, vous voyez, je pensais que ça allait être vide, mais c'est bien, bien rempli. Hein. C'est même pas que c'est rempli, c'est bien rempli. Ça pèse une tonne, c'est lourd et tout. Franchement, pour l'instant, c'est un régal. Oh, j'ai pas d'autre. Un régal. Oh, je me régale. Un fromage. Qu'est-ce que vous faites encore devant la vidéo? Foncez directement à Domino's Pizza, achetez ça, c'est tellement incroyable. À ce moment de la vidéo, les gars, faites pause et vous reprendrez après, mais allez acheter ça. Mais déjà, même la première calzone qu'on a mangée, elle était bonne. Hein. Ouais, mais celle-là, elle est incroyable. Mais celle-là, elle dépasse tout. Ouais. Les amis, comme vous pouvez voir, on est noyés, on n'a pas pris de douche. Hein. C'est juste que dehors, il fait actuellement 35 degrés. Et on est très chaud. On a fait l'effort pour vous de, voilà, en plus avec ces pizzas qui donnent de la chaleur en plus. Il est noyé. C'est compliqué. Je crois que je viens de découvrir la pâte à l'intérieur qui est vraiment bonne. Vous voyez, c'est juste ici. On dirait qu'il y a une pâte dans la pâte en fait. Au fromage, ouais. Avec le fromage du dessus et tout. Franchement incroyable. Oh, je suis dingue, j'en arrive déjà à la fin. On arrive à la fin. Oh, c'est triste. C'est un délice. Les amis, t'as l'air bouché de ce délice. De A à Z, du début à la fin, tout ce que vous voulez. Un récital. Bon les amis, on va passer aux avis. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette calzone? En un mot, un régal, un délice, ouais. C'est un 11 sur 10, je n'ai rien à dire. Pour résumer aussi, un régal, succulent, délicieux, 10 sur 10. Peut-être qu'on sent pas beaucoup le goût de bœuf, ouais. Mais bon, j'ai juste à dire, c'est ça ouais. La pâte, le fromage et la sauce burger sont incroyables. Et cette fusion ensemble. Et en plus, le prix rentre en compte, c'est les amis, à 5€ pour une calzone. On a bien mangé, enfin c'est bien costaud. À savoir que cette calzone, c'est une taille M à 5€ et il en existe en XL à 7€. En XL? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses qu'on en fait une vidéo à coup les amis? Une XL ce détail. C'est deux fois plus de régal. Sur ce les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. N'oubliez surtout pas comme d'habitude de partager, liker, commenter. C'est très très important les amis. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Twins Food. Ciao les amis.